Avant, comme n'importe qui, j'étais un type formidable. Avec quelques défauts, oui, mais des qualités en diable. J'écrivais des trucs super. J'étais même, on ne rit pas, drôle et vogue la galère, presque mignon, etc. Et voilà, le temps passe. Les quatre saisons, tout le tintouin. Faut regarder les choses en face. Je suis vanné, fané, chafouin. Comme un bon crédit bancaire, je suis gentil que par intérêt. Pour un lit chaud en hiver et l'été me faire admirer. Mais si je deviens un salaud, ça n'est pas une découverte, je continuerai en solo. La porte est ouverte. Je dis pas que ça me fera zizi, hein. Sans doute ça sera moyen drôle. On s'en sortait pas si pire de notre 1500 mètres crawl. Bien sûr on a bu des tasses et je garde le goût du chlore pour remettre les regrets en place quand je serai on the floor. Car je suis pas réquisitoire. En public ou dans mon crâne. Il y a trop de pages à notre histoire, tournons celle-ci sans drame. On est des grandes personnes, je garde personne en prison. Faut fuir si quand minuit sonne, j'ai la gueule d'un potiron. Idem si je deviens citrouille, petit pois. Haricots verts, mais une sourdine à tratrouille. Le potager est ouvert. Ça m'est arrivé déjà. Paris même que c'en est cause. De barrer, etc. De mettre un point dans l'eau de rose. J'ai monté des petites affaires, des tandems qui finissent mal. Grandes amours et copinages qui un jour se font la malle. J'ai même écrit des best-sellers avec des gens disparus et fait des chansons qui courent encore dans les rues de ma mémoire. Sans doute trop égoïste. Et j'ai fini les histoires même si la fin était triste. Car quand il t'est mis à est, triste ou heureux, peu importe. Si je suis chez moi, je reste, mais j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte.